Bonjour, c'est la grenouille au micro. Celle qui farfouille devant les châteaux. Je parle de la pluie et du beau temps. En direct depuis la cour des grands. Dans tout leur domaine, ils sont les rois et les reines. Flatteur et pluie d'éloges, je suis toujours aux premières loges pour commenter dans l'allégresse les derniers potins de ses altesses. Je ne suis pas censé tout raconter sur nos chères têtes couronnées. Aussi, je compte sur votre discrétion pour ne pas le répéter à la maison. On ne l'avait jamais vu comme ça. Même les ordures, il n'en veut pas. Espérons que ça le déridera. Les chatouilles du roi Cracra. Bienvenue chez nos amis les rois et les reines. Le roi Cracra est inconsolable. Ses chaussettes de collection les plus sales ont été mangées par les mythes. Au secours, une mythe! Oh non! Mes chaussettes crassouilles, je les ai portées pendant 3 ans. Leur bonne odeur de fromage pourri va me manquer. Oh, oh, je ne pourrai plus vivre sans elles. Elles étaient ma raison de vivre, le joyau de ma collection. Il faut faire quelque chose. Reine Bobo, c'est pour une urgence. Le roi Cracra est déprimé. Il ne supporte pas la perte de ses chaussettes crassouilles. Vous n'aviez pas d'autres ordures. Le roi Cracra a besoin d'un remontant. Si, j'ai un stock de vieilles plumes qui devraient lui chatouiller le moral. Je vous accompagne. Un peu d'aide ne vous fera pas de mal. Allons. D'habitude, vous aimez tant barboter dans les ordures. Elles sont toutes neuves! Tout le monde s'est cotisé, même Zinzin vous a légué ses vieux entonnoirs! Allez! Un petit plomb vent! Ça va vous rafraîchir les idées! Refusez les déchets les plus immondes du royaume! Comme vous devez être malheureux! Buvez, triste sire! Ce remontant va vous redonner le moral! Maf! Allons, un petit sourire. Vous me fatiguez avec vos chatouilles, je vais me coucher. Ça alors, d'ordinaire, personne ne rêvait sa mère royale aux chatouilles. Pas chatouilleux, hein, c'est ce qu'on va voir. Jamais vu ça, il ne craint pas les chatouilles. Vous n'avez rien de plus puissant. Si ça ne marche pas avec ça, j'abandonne. Regardez, c'est cette crasse qui l'empêchait de sentir vos chatouilles. J'ai une idée, il faut lui faire prendre un bain. Alors, elles sont où ces chaussettes? Regardez là. On ne vous a pas menti. Une véritable horreur. Ah, quelle bonne odeur de camembert. Voilà qui me rappelle mes bonnes vieilles crassouilles. Mais je ne peux pas aller là-dedans. C'est de l'eau. Une si belle pièce de collection. Vous ne pouvez pas la laisser là-bas quand même. On dirait bien qu'elles ont trouvé une idée lumineuse pour remonter le moral du roi des crasseux. Des chaussettes neuves, grossièrement fourrées au camembert. Si c'est une farce... On s'est donné beaucoup de mal pour les salir. C'était le seul moyen de vous faire prendre un bain. Quelle horreur, mais je suis tout propre. Il n'a plus de crasse, de peau me chatouiller. Alors comme ça, on ne craint pas les chatouilles. Arrêtez. Rien de tel que des chatouilles pour retrouver le moral. Vous avez raison, il y a longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Merci pour les chaussettes, je vais les porter jour et nuit. Bientôt, elles seront la plus belle pièce de ma collection. Il y tient à sa crasse. Entre nous, le roi Cracra est tellement sale, il a des poux, il a la gale. Même dans une machine à laver, on ne pourrait pas le décrasser.
Longue vie au roi et aux reines, ils ont comme nous des joies, des peines, mais ils ont de si beaux châteaux et aussi de gros défauts. Chantons, chantons, qu'ils soient toujours comme ils sont. Mais entre nous, tous les potins, les écomondes, c'est ma tasse de thé, c'est mon gagne-pain. De jubilé en anniversaire, je fais mes choux gras.